Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Subban. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ah! Que se passera-t-il après la disparition de nos stars? Déjà, la disparition de ces stars-là, depuis même le 12 août dernier, a créé même tas de problèmes. Des problèmes hors du commun, on ne comprend même plus rien. Déjà, quand ces stars ont disparu, les gens pleuraient, les gens faisaient beaucoup de choses, nous tous on a tout vu. Mais environ 2 mois après la disparition de ces stars, ce qui se passe vraiment, c'est pas du tout joli joli. On a l'impression que ça devient un véritable règlement de compte. Et ça a même commencé sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça, c'est grave. On se souvient que dans les premiers jours de la disparition de ces stars, tout le monde a pleuré. Allons si tu peux voir ça. Franchement, ça m'étonne. Que se passera-t-il après la disparition de notre étoile? Franchement, c'est une chose que nous ne voulons pas. Déjà, nous la vivons. Commençons à nous comporter bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des choses bizarres juste pour le buzz et que ça se termine à autre chose plus tard. Déjà, les gens sont en train de se préparer à se boycotter entre eux. Les fans sont en train de former des groupes. Franchement, c'est pas joli. Bon, regardez même ça. Comme vous le voyez, on voit des gens qui sont juste en train de se chamailler sur les réseaux sociaux. Et tous convergent sur ces stars. Ces stars disparues. Et déjà, les gens sont en train de raconter des histoires. Du genre que certaines personnes essaient de bouffer sur le dos de ces stars. Ou encore essaient d'organiser des compétitions ou des concerts en utilisant le nom de ces stars. Et beaucoup de personnes sont en train de se plaindre. Mes frères et sœurs, quand on a envie, je pense que on doit apprécier la vie qu'on a, l'opportunité qu'on a d'être en vie. Si les gens veulent bouffer sur l'argent de qui que ce soit, bon, sur le nom de qui que ce soit, bon, laissons-les. De toute façon, tout passera. Moi, c'est ce que moi je pense. Mais nous devons quand même revenir sur certaines choses qu'on a pu voir avant toute cette histoire. Regardez même ici. Comme vous le voyez, c'était là où ce star avait eu cet accident et les gens sont allés à l'hôpital. Et les gens priaient en ce moment-là pour que ce star revienne en vie. Malheureusement, ils ont annoncé ici le 12 août dernier que ce star a rendu l'âme. Vraiment, c'est une chose qui n'a pas été appréciée. Néanmoins, les fans avaient eu lieu d'espoir. Les fans s'attendaient à ce que ce star revienne à la vie. Puisque quelque temps après, on ne sait pas d'où est venue l'information. Selon laquelle cette star était réveillée. Ouais, regardez comment les gens sont en joie. Les fans étaient vraiment en joie. Et tout ça, c'était bien. Mais franchement, nous, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Vraiment, jusqu'à là, on se pose la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Jusqu'à ce qu'on apprenne quelques temps plus tard que cette star est décédée. Et la réaction de ses collègues qui l'aiment vraiment, vraiment, c'était pas du tout joli, joli. Regardez même si c'est son ami a pleuré. Elle ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Vraiment, elle était inconsolable. Depuis que je connais Arafat, il m'a jamais fait ça. Avant que je ne parte pour Saint-Pétro hier était grand dimanche. Je crois samedi, on va son concert. Il m'a envoyé une photo de lui. Je sais que tout le monde a eu la photo. Il est porté les lunettes. Arafat m'a envoyé sa photo. Et il m'a dit, je t'aime, ma soeur. Ne me trahis pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Vous voyez ça? Déjà, cette star parlait de trahison à la fin. Parce qu'elle avait vraiment beaucoup d'ennemis. Mais à cet instant-là, beaucoup de personnes pleuraient. Et c'était pas du tout joli, joli. Nous tous, nous avons eu un choc face à cette information. C'est une nouvelle bizarre. Et les gens cherchaient même à savoir qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là. Même les personnes avec qui c'est cet temps cherchaient à savoir. À tous ceux qui me connaissent, à tous ceux qui connaissent Didi, je viens de me réveiller, je suis au Mali. Martin a appris quelque chose. J'aimerais que vous m'éclaircissiez dessus. Parce que j'arrive pas à joindre les gens. Parce que le réseau est bizarre ici. Je dois me prendre plus ici. Donc en direct, vous pouvez me dire. Il y a appelé Palmer qui m'a confirmé. Mais il n'arrive pas bien à croire, en fait.
Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Les gens pleurent. Et c'est instant juste à savoir si l'information qu'il a reçue est vraie. Je ne peux pas dire. Mais au-delà, on allait acheter une puce pour faire le direct. Il est tombé, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il vient d'apprendre ça. Donc, informez-moi ceux qui peuvent m'informer, donc à m'informer. Elle attend l'information en larmes. Apparemment, elle se trouvait dans un autre pays. Elle n'avait pas d'information. Mais l'information va tout de suite lui parvenir. Maman dit c'est vrai. Et là, il vient de recevoir l'information que son ami est décédé. Oui, dans quel état? La disparition d'une personne peut plonger les gens. Vous voyez, ça c'est au moment où ça s'est passé. Regardez, c'est triste. C'est triste. Même quand nous sommes adversaires dans le milieu, quand on apprend la disparition d'une star, normalement, ça devrait vous faire mal, Et même après la disparition d'une star, même quelques temps, même si c'est un an après, franchement, ça doit se sentir que vraiment il y a un truc. Tout s'est passé et que vous êtes toujours sous le choc. Malheureusement, après la disparition de cette star, environ 2 mois après tout ça, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est bizarre et c'est vraiment bizarre. Et ça ressemble beaucoup à ce que nous allons maintenant vous montrer. Soyez maintenant prêts, regardez ça. Voici ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. En décembre, une date arrêtée. 15 ans d'écart. Ça, c'est une autre star qui vient juste pour annoncer son concert et invite tout le monde, même les fans, à son collègue qui a disparu. Mais vous allez voir quelque chose. Débo, ton concert n'a-t-il laissé pas pour le monde là-dedans? Prochain direct. Nesta Time. Les plus malades. Les plus couchés à la pizza. Et voici une autre personne qui vient pour dire « Donc tu n'es plus malade, tu n'es plus couché à la pyjama. » Et bien là, je n'étais pas en arrière. Et regardez ça encore. En décembre, une date arrêtée. 15 ans de carrière de Bordeaux de Confort. Eh, Débo, ton conseil n'a-t-il laissé pas pour le monde là-dedans? Prochain direct. Nesta Time. Les plus malades. Les plus couchés à la pyjama. Hein? Veto, y a quoi? Eh, Seigneur, eh, Débo. Eh, Débo, eh, Débo. Eh, à quoi la rapporte de son âme? Là, cette personne qui vient de parler est en train de dire que genre cette personne qui a annoncé son concert là est en train de rigoler avec les gens. Il rigolait avec les gens, il faisait semblant du genre qu'il disait qu'il était vraiment touché par la disparition de son ami. Est-ce que vous voyez? Ah, mes frères et sœurs. Bon, regardez ça jusqu'à la fin. Ça sert à quoi de pouvoir créer la haine à longueur de journée? Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Bébé, papa, il faut te calmer. Pourquoi lui, c'est bon? Veux-tu tout ce qui te taille à quoi? On est fatigué que vous utilisez son nom pour faire votre business. Et cette femme qui vient de parler dit que franchement, elle est fatiguée que les gens utilisent son nom pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un véritable règlement de compte? Écoutons vraiment très bien ça. Maman Philippe, tu es dedans aussi. C'est mon frère qui est décédé. Est-ce que ça va dans votre tête? Tu étais content quand Arafat est mort. Tu as été content parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour te mettre des bâtons dans la rue. Et chacun commence à faire des révélations. Et ça, ce sont des choses qui sont en train de faire bouger les réseaux sociaux juste aujourd'hui. Bon, maintenant là, je suis en train de faire la vidéo. Environ deux mois après la disparition de cette star. Nous savons que cette star parlait beaucoup de des ennemis et tout et tout, tout et tout et tout. Et là, vraiment, ceux qui sont restés veulent continuer son combat en direct. Regardez même ça. Ah, Vegeto, ce que tu dis là, c'est grave. T'es moi un pied moto là pour la fin.
Debo, calme-toi. J'ai dit, Vécho, qu'est-ce que tu reproches à Debo même? Debo n'a pas rendu visite. Il n'est même pas allé sur le lieu où Arafat a eu des réactions. On n'a pas vu de son hommage à son ami, mais il était couché à la maison. Il a tout mal. Il a mal jusqu'à aujourd'hui, c'est un concert. Conseil. Mais moi, il n'a qu'à prendre photo, vidéo pour filmer leur instant d'œil de chez Arafat. Je suis malade ou bien? Un Debo, c'est pas arrivé des jeux. Tu es trop violent. Tu dis que tu as ta base fan que les légionnaires. Porte tes couilles, fais ton concert sans le nom d'Arafat. Quitter là-dedans. On n'a plus besoin de ça. Dieu nous a montré combien de fois nous ne sommes rien. J'incite les gens à la réconciliation et paix. C'est ça même qu'on cherche. Vous découvrez des relents d'unificateurs, de pacificateurs, des gens qui aiment la paix. Et si Jésus, on est dedans. Ne venez pas derrière. C'est ça même qu'on cherche. Vous découvrez des relents d'unificateurs, de pacificateurs, des gens qui aiment la paix. Et si Jésus, on est dedans. Dijon, cette fois, m'a tenté de dire que du genre, les gens viennent, les ennemis à ce stade qui viennent pour Dijon, essayent de dire qu'ils ont, ils ont laissé l'affaire, la situation de ce stade a apporté beaucoup de leçons, tout, et ils se font passer pour des pacificateurs. Et que, et ces gens-là pensent que, vraiment, ce sont des histoires. Et quand elle dit qu'on est dedans, ça veut dire qu'elle compte continuer le combat, et c'est pas elle ce qui parle de ça. Il y a plein d'autres fans à ce stade qui a disparu. Qui veulent continuer aussi le combat. La question que moi je pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Regardons encore. C'est ça même qu'on cherche. Sans le nom d'Arafat. Quitter là-dedans, on n'a plus besoin de ça. Dieu nous a montré combien de fois nous ne sommes rien. J'incite les gens à la réconciliation et paix. C'est ça même qu'on cherche. Vous découvrez des relents d'unificateurs, de pacificateurs. Des gens qui aiment la paix. Et si Jésus, on est dedans. Waouh. J'ai appelé mon esprit, mais qu'on est fini dans mon corps. Ça pour le cerveau, regarde. Sinon, vous me connaissez. Pas de répondre. J'ai vu ça. Parce que vous avez oublié que je suis là. Quoi. Écoutez-moi, on va régler la situation. Mais t'as été couché, t'as l'air mal jusqu'à la fin du mois. On vient plein d'ailleurs. Chacun vit sa vie comme il entend. Et donc, tu es là. Comment la femme a été plus bonne? Ils allaient te soutenir un peu. Et puis, là, ils posent pas grave. Ils viennent pour moi à son frère. Toi-même, Vécho, mais tu es dans la cuisine, moi, tu es dans la chambre, moi, puis tu parles mal comme ça. C'est ma... Voilà. Voici ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça me fait tellement. Ça m'étonne. Ah! Quand les gens ont de la santé, ils ont la vie, ils sont même en vie, ils n'arrivent pas à apprécier la vie qu'ils ont. Ils passent le temps à faire tout et n'importe quoi. À raconter des histoires. S'attaquer entre eux. Tu fais le buzz. On a l'impression que c'est comme si cette est partie. Et la vie recommence. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, même, on a même oublié. Et on reprend encore les mêmes choses. Maintenant, qu'est-ce que les gens recherchent? Est-ce que les gens s'attendent à ce que cette là même ou encore toutes les personnes avec qui Sesta était en conflit disparaissent aussi? Si toutes les personnes là doivent disparaître comme ça, qui va maintenant rester? Qui va même rester maintenant parmi nous? C'est que ça ne va pas s'arrêter. Parce que les fans aussi à Sesta là souvent désirent aussi que les gens disparaissent. Et finalement, ça va donner un conflit comme ça. Un conflit, conflit. Des clans se sont formés. Ce sont des choses bizarres, étrangissimes. C'est que si c'est star elle-même de son vivant, elle aussi, elle faisait de telles choses. On ne peut pas blâmer ces gens-là. On peut dire que c'est ce qui fait partie de leur game. Et c'est comme ça se passe. Peut-être que c'est ce qui continue.
Et nous serons vraiment très intelligents. Pour ne pas tomber dans des jeux bizarres, n'entrez pas dans les bagarres et autres. Regardez votre calme et vivez votre vie tranquillement. Dites-nous ce que vous en pensez maintenant. Si la distraction c'est à vous apporter de grandes leçons, c'est bien. Sachez comment marcher maintenant. C'est vrai que ces personnes-là sont en train de dire que c'est pas parce que c'est a disparu que vous allez vous faire passer pour les pacifistes. C'est vrai. Qu'on ne peut pas les blâmer aussi. Si qu'elle est sûre, nous devons être vraiment très prudents et chercher l'essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse, professeur. Prenez soin de vous. Partagez cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Surtout, gardez votre calme. Parce que les sociétés formées de ces clans, de ces groupes WhatsApp pour écouter certains artistes, tout ce, ça. À quoi ça sert? Finalement, ça devient un peu comme de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle un véritable règlement de compte. Arrêtons ça maintenant.